Pardon. Comment ? Changer de sac à dos, il est un peu trop gros. Bah parce que j'avais beaucoup d'affaires à prendre, c'est pour ça. Mais ça. Non, il est. Dis-toi sur les lycéens, il y a trop. Il y a trop. Bah c'est pour ça, après on a le mal au dos, etc. Toujours. Pas de problème. Merci. Salut à tous, Matt Flunch. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est une vidéo assez spéciale d'habitude parce qu'aujourd'hui, les gars, j'ai un sac à dos sur le dos pour aller en cours. Mais bon, vous pouvez voir que c'est pas un sac à dos habituel, quoi. Je pense que c'était comme ça, vous en avez pas beaucoup vu. Voilà, aujourd'hui, on va s'introduire dans les facs, on va aller dans les magasins, on va bousculer un peu les gens dans la rue. On va voir un peu toutes les réactions de tout le monde. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. On se dirige vers une fac. On va voir laquelle on va choisir. Mais bon, il y en a beaucoup à Nancy, c'est une ville étudiante. Du coup, je pense qu'on aura du choix. Voilà, direction la prochaine fois qu'on voit. À de suite. Sympa le sac. Merci. Les gars, juste avant de vous laisser avec la vidéo, de vous laisser avec la suite de la vidéo, je devais vous présenter une application pour ceux qui kiffent tout ce qui est sap comme moi, tout ce qui est chaussures d'édition, édition limitée, chaussures édition limitée. C'est avec l'application que je vous montre maintenant. L'application, les gars, c'est quoi? Ça, c'est pour tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. L'application, c'est Bump, les gars. Bump, elle est disponible dans la description. Donc, le lien est dans la description. Elle est disponible sur iOS, Android. Tout est dans la description. En gros, c'est la meilleure application, en gros, on va dire, pour trouver tout ce qui est articles rares, un peu streetwear, etc., vintage, tout ce que vous voulez. En gros, ce que vous ne trouvez pas en magasin, vous l'avez sur l'application. Je vais vous montrer comment ça se passe. Par exemple, si je vais rechercher une marque que vous connaissez tous, je vais regarder pour trouver des Yeezy. Donc Yeezy, c'est Y-E-E-Z-Y. Voilà, donc je marque Yeezy. Je vais rechercher. Et quand je marque Yeezy, vous voyez qu'il y a plein de choses. Il y a des chaussures, il y a plein de Yeezy, il y a plein de trucs comme ça. Donc quand vous avez tout ça, pour filtrer, c'est très simple. Il y a le bouton filtre. Vous mettez filtrer. Vous choisissez, vous voulez quoi? Par exemple, je veux des chaussures Yeezy. Vous mettez chaussures, votre taille. Moi, je fais en taille US, c'est 9, ça veut dire 42-43, je crois. Hop là. Vous mettez nouveau. Moi, je veux des chaussures neuves pour avoir l'étiquette et tout. Nouveau. Le prix, on va pas laisser de tranche de prix pour l'instant. Et voilà, on va rechercher ça pour voir comment ça se passe. Waouh, celles-là, elles sont belles. Les Yeezy, vous savez, full jaune, full fluo. Voilà, toutes neuves, encore dans la boîte, c'est très simple. Une fois que vous avez ça, vous pouvez envoyer un message directement au vendeur. Donc pour envoyer un message, c'est très simple, vous cliquez sur message et vous le contactez. C'est comme un peu un Facebook mais pour contacter les gens pour acheter des trucs. Donc c'est très simple de parler entre vous. Ce que vous pouvez faire aussi avec l'application, ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver des proxys. Les gars, des proxys, c'est quoi? C'est des gens qui campent devant les magasins pour vous, pour aller chercher des chaussures. Je vais vous montrer ça aussi. Pour trouver un proxy, c'est très simple. Vous êtes dans l'application, vous cochez proxy et vous marquez, par exemple, moi j'ai marqué Yeezy, donc encore je mets proxy, je mets rechercher et là vous voyez qu'il y a des Yeezy proxy Zebra. Donc pareil. Ça, c'est quelqu'un qui va le trouver devant le magasin et qui va venir vous la ramener, en fait, qui va vous la livrer. Dès que vous avez le proxy, vous avez juste envoyé un message, pareil, au proxy, et lui dire que vous êtes intéressé. Et comme ça, il pourra ensuite vous lui donner l'argent avec PayPal. C'est paiement sécurisé sur cette application, c'est que sur PayPal. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Toujours avec PayPal, il y a des vérifications pour que vous ayez bien le produit. Comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que cette application vous aura plu. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo, l'application Bump dans la description, les gars. Et sur ce, je vous laisse. Ciao. Tu penses que je peux rentrer dans un magasin avec ou pas? Vas-y, on va rentrer au Zara avec. Film, film. C'est deux. Chaud. C'est bon? C'est bon, merci. Bon, allez-y. Waouh, 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 frère! Essayez de prendre l'ascenseur. L'ascenseur? Ouais. Ça rentre pile poil. C'est parti. Première fois que je prends l'ascenseur, donc comme quoi il y a des privilèges aussi d'avoir un gros sac à dos. Ouais. Dire ce qui... Messieurs. C'est pour un renseignement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez le même sac ici? Du tout. Non? On va chercher les autres facs. Ouais, je pense. Je crois qu'on va en avoir plus besoin que deux jours le sac là. Plus que ça. L'optimisme, on va dire, va être associé
l'optimisme. D'autres auteurs se sont intéressés Bonjour. Excuse-moi, je cherche l'amphithéâtre d'Éléage. L'amphithéâtre d'Éléage. C'est le gros, vous sortez, c'est le gros à gauche dans le trou là-bas. Il faut que je sorte du bâtiment là ? Vous sortez du bâtiment. D'accord. Vous allez à gauche, c'est le A027. A027, ok. C'est le sac que vous avez dans le trou. Bah, c'est mon sac à dos habituel. Ouais, il est un peu gros, je sais, mais c'est mon sac à dos habituel, il est normal quoi. A027. D'accord. Merci. Au revoir. Ça va ou quoi ? C'est fini pour la première école qu'on a fait. On va essayer de trouver d'autres salles. Mais bon, pour l'instant, on a des bonnes scènes. Donc on va voir comment ça donne. Et là, tout le monde me regarde, tout le monde me snap. Du coup, c'est un peu chaud. Mais bon, on va continuer à voir le prochain bâtiment. Parce que souvent, quand ils ont les grands trucs pour voler et tout, ils ont des gros sacs comme ça. Ah bon? Bah oui, les parachutes. Oui, mais ça s'appelle pas un parachute. Quand ils s'élancent, qu'ils se mettent assis dedans. Je sais plus comment c'est. Delta plane peut-être. Non, le delta plane, il a les ailes en dur. Il y a un autre, je sais, mais le nom, je me souviens plus. Moi aussi, bah alors, la vieillesse, j'ai dit une trou, mais vous, la jeunesse, c'est pareil. On n'a pas d'excuses, nous. Merci, madame. Eh bien, c'est rien, voilà, pas bonne soirée. Merci à vous aussi, madame. L'orientation de cette réunion coopérative, c'est le BED qui conduit la réunion de coopération. Vous êtes drôlement chargé. C'est pour un renseignement, si.
Excusez-moi, je cherche l'amphithéâtre d'Eléage. Pardon. Comment ? Changer de sac à dos, il est un peu trop gros. Bah parce que j'avais beaucoup d'affaires à prendre, c'est pour ça. Mais ça. Non, il est. Dis-toi sur les lycéens, il y a trop. Il y a trop. Bah c'est pour ça, après on a le mal au dos, etc. Toujours. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour un épisode 2. Je vous le referai avec plaisir. J'ai plein d'idées pour l'épisode 2. On va retourner aussi dans les amphis parce que j'ai kiffé y aller. En tout cas, voilà, si on atteint beaucoup de likes, je vais pas vous donner forcément de limite, mais si on atteint forcément beaucoup de likes et qu'il y a beaucoup de commentaires positifs sur cette vidéo et que vous avez kiffé la vidéo, etc., je vous referai un épisode 2 avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et dans la description si c'est très important. Et voilà, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que moi, c'est une des vidéos, c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne. En tout cas, voilà, je sais que ça a beaucoup tourné sur Twitter, vous avez kiffé, il y a eu beaucoup de blagues, etc., par rapport à cette vidéo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, ça a tourné sur beaucoup de snaps aussi, apparemment connus et tout. En tout cas, je suis super content que ce concept vous ait plu. Pour l'instant, sur Twitter, on verra. J'espère que la vidéo vous plaira aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Portez-vous bien. Bon courage pour les cours demain et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.